département situé dans les Alpes du Sud, encadré par les départements des Alpes de Haute-Provence, de la Drôme, de l'Isère et de la Savoie, ainsi que par l'Italie. Il ne comprend que 5 agglomérations qui peuvent être véritablement qualifiées de villes: Gap, préfecture, Briançon, sous-préfecture, Embrun, anciennes sous-préfectures, jusqu'en 1926, Laragne et Vaine. C'est un département très montagneux, le plus haut en moyenne en France, altitude moyenne la plus élevée, plus du tiers de la surface dépasse 2000 mètres. L'altitude varie de 470 mètres, sur la commune de Ribieuse, dans la vallée du Buëch, à 4102 mètres, point culminant de la barre des Écrins. C'est aussi le département avec le réseau routier le plus élevé, avec une altitude moyenne de l'ordre de 1000 mètres. On y trouve également la mairie la plus haute de France, Saint-Véran, village situé à 2042 mètres d'altitude. Gap est la préfecture la plus élevée de France, 740 mètres, devant Mans dans l'Auxerre, et Briançon, 1003 à 126 mètres, qui est l'une des villes les plus élevées de l'Union européenne. Le département comprend de nombreux cours d'eau, parmi lesquels la Durance, le Drac, le Buëch, la Clarée, le Guil, la Guisane, la Sévresse et la Haute-Romanche. En outre, il possède un vaste lac de 3000 hectares, le lac de Serre-Ponçon, avec une commune centrale, Savines-le-Lac. Les Hautes-Alpes regroupent plusieurs régions naturelles. Le Briançonnais, le pays des Écrins, le Beauchêne, ou le pays du Buëch, le Champsaur, le Dévoluy, l'Embrunais, le Gapensé, le pays de Guillestre, le Queyras, le Val-Gaudemar, avec une partie des baronnies, dont le Laragnais et le Serrois Rosanais. La totalité du département des Hautes-Alpes est située en zone de montagne. Le climat y est donc montagnard, froid et assez sec sur l'année. Cependant, les Hautes-Alpes sont avantagées par leur position géographique, située à la fois dans le centre-est et dans le sud-est de la France. De ce fait, l'ensoleillement annuel y est supérieur à 2300 heures, voire même 2500 heures à la frontière avec les Alpes de Haute-Provence. Les hivers sont froids dans tout le département et deviennent vraiment longs et rigoureux à partir de 900 à 1000 mètres. Les étés sont modérément chauds dans les vallées et restent frais en haute montagne. On trouve dans le département plusieurs sites historiques comme les forteresses de Mont-Dauphin et Briançon, Fort Queyras, les châteaux de Montmort, de Picontal et de Talard, des sites archéologiques comme les mines d'argent du vallon du Fournel, à l'Argentière-l'Abbessé, de nombreux monuments historiques du patrimoine religieux, comme l'abbaye Notre-Dame de Boscodon du XIIe siècle, ou bien encore le prieuré de Saint-André de Rosan, plusieurs cathédrales dont la cathédrale Notre-Dame et Saint-Arnoux de Gap, et les anciennes cathédrales Notre-Dame d'Embrun, des villages de montagne typiques comme Saint-Véran, Névache, ou Dormillouse, hameaux accessibles seulement à pied, dans la zone centrale du parc national des Écrins. Certaines particularités du patrimoine bâti peuvent dépendre des vallées dans lesquelles ils se situent. Les Hautes-Alpes comportent également de nombreux cadrans solaires et fresques, dont certains vieux de plusieurs siècles.